La préparation mentale au football pour devenir une meilleure équipe, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être sereins et éliminer la peur d'échouer. Et je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter, les partager pour pouvoir, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Alors comment la préparation mentale au football va vous permettre de devenir une meilleure équipe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que parfois on est au football et il y a des petites tensions à l'intérieur avec certains. On se dit « Ah mais lui, il est trop égoïste. Lui, il joue trop perso. Non mais lui, mais comment il se la pète? C'est quand même pas possible d'être comme ça. » Ou « lui, il prend pas assez sa place. » Et du coup, en fait, il se passe quoi? C'est qu'on est en train de juger les autres, ok? Et dès qu'on pose un jugement sur un autre de « il est mieux ou moins bien que moi », à ce moment-là, inconsciemment, on est en train de soit s'exagérer, soit se minimiser. Et donc, eh bien, dès qu'on s'exagère ou on se minimise, on s'empêche d'être nous-mêmes avec toutes nos qualités. Et quand on exagère ou on minimise quelqu'un, eh bien, on empêche de tirer tout le profit qui soit comme ça pour pouvoir évoluer et être encore meilleur. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'on juge quelqu'un, il est comme ceci, se dire qu'inconsciemment, on se dit qu'on n'est pas comme ça. Et donc, qu'on va créer de la polarité. Et c'est important de voir une équipe, donc une équipe que ce soit de football ou que ce soit une équipe entrepreneuriale, mais c'est important de voir que l'équipe, c'est comme une molécule. Et une molécule, chacun a sa place dans la molécule. Et que la molécule, elle est parfaitement équilibrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y en a un qui est très personnel dans l'équipe, ils vont en avoir d'autres qui vont être très altruistes dans l'équipe et qui vont faire beaucoup de passes. S'il y en a qui se la pètent énormément dans l'équipe, il y en a qui vont être très humbles dans l'équipe également pour maintenir l'équilibre. Regardez bien, si vous êtes soit entraîneur, si vous êtes joueur, regardez bien, observez ça simplement et vous verrez que ça peut être possible autrement. Et après, on peut même voir ça au niveau d'un championnat. On va avoir une perception d'une équipe qui est comme ça et forcément, l'autre va être l'inverse. Pourquoi? Parce que l'équilibre dans un milieu est tout le temps maintenu. Si on n'arrive pas à le voir d'un point de vue micro, il y a juste à se mettre un point de vue macro et plus grand et on arrive à récupérer cet équilibre-là. Alors maintenant, comment on utilise ça dans l'équipe? Eh bien, tout simplement, alors nous, c'est dépolarisation classique et dépolarisation inversée que vous pouvez récupérer dans le livre. Vous allez pouvoir voir ça en détail. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est que tout ce qui vous dérange chez quelqu'un d'autre, c'est souvent le point qui fait que c'est grâce à ça que vous améliorez. Avec un joueur que j'avais accompagné, je me rappelle, en Ligue 2, lui, il disait « Ah non, mais lui, mais c'est abusé, il est vraiment arrogant dans l'équipe, c'est pas possible. » Et en fait, en déconceptualisant, en faisant tout le process de dépolarisation, à la fin, il arrive en mode « Waouh, mais j'avais pas vu que c'était grâce à lui que je me donnais autant en compétition, que je voulais faire autant et que finalement, nous, des fois, on était autant soudés dans l'équipe. Et que s'il n'était pas comme ça, je me dépasserais pas pour pouvoir le battre. » Ok? Et donc, je lui fais, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est grâce au fait qu'il soit comme ça, alors tu es en train de te dépasser et tu deviens meilleur pour pouvoir le battre. C'est ça que tu me dis, et donc tu deviens meilleur. Il fait, ouais, non, mais carrément, je n'avais pas vu sous cet angle ça. Et paf, ça a fait le collapse, donc changement de perception. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de juger l'autre de c'est quelqu'un de mal et de créer de la polarité et de créer de l'espace mental, et dès qu'on crée de l'espace mental dû à une émotion, ça prend de l'espace et du temps qui n'est pas mis vers nos objectifs, et bien au lieu de faire ça, la charge émotionnelle de frottement. Qui s'est installé par rapport au jugement à dire ah, j'aimerais que l'autre soit différent. Dès qu'on veut que l'autre soit ou devienne différent, alors on crée une force et l'autre ne change pas en fait juste pour maintenir cette force. Alors que dès que nos perceptions switch, paf, l'autre en fait, l'autre il exerce plus cette force là, mais ça joue un point de vue inconscient. C'est tellement incroyable en fait de voir ça, mais j'ai fait aujourd'hui tellement de fois que c'est juste bluffant de voir la réalité qui change d'un seul coup, des deux interactions qui changent. Et finalement, il se passe quoi? C'est qu'on a des équipes qui sont beaucoup plus soudées, puisque finalement, on va voir que ce que je juge mal chez l'autre, c'est important que je m'autorise à le développer chez moi sous ma forme. Et ce que je condamne chez l'autre, vu sous un autre angle de vue, ça va être souvent être le trait de caractère qui m'inspire le plus chez l'autre. Et par exemple, avec quelqu'un d'arrogant, ça va être... Au final, boum, quand il y a le collapse, les gens disent « Ok, qu'est-ce qui t'inspire chez lui ?» Au moins, il prend sa place, il va de l'avant, etc. Et quand on fait ça, ça permet d'enlever le jugement et du coup de resserrer la polarité et de plus se minimiser ou s'exagérer.
sachez que dès que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, donc ça c'était vraiment la première partie, et la deuxième partie qui est vraiment plus individuelle, c'est dès que vous admirez quelqu'un, vous empêchez de développer ça sous votre forme à vous, ok? Par exemple, si lui, j'admire parce qu'à chaque fois il prend sa chance devant le but, et que vous êtes milieu de terrain, vous êtes en train de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Alors que si tu regardes sous quelle forme toi aussi tu prends ta chance dans l'équipe, alors bien sûr c'est un peu plus subtil que ça, et qu'au final à la fin tu vois ça, tu fais pouf, ok, en fait non, j'ai rien à jalouser chez l'autre, j'ai rien à envier chez l'autre. Hein. Envie égale ignorance, imitation égale suicide, comme disait Ralph Waldo Emerson. Dès que vous regardez un concurrent, vous perdez votre avantage concurrentiel. Donc quand on fait ça, quand on maîtrise ça, en fait ça permet simplement de, avec la dépolarisation classique ou inversée, de pouvoir resserrer la molécule d'une équipe et de voir que tout ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez aussi en vous, et de le développer encore plus en vous, sous votre forme à vous, c'est-à-dire sous votre unicité et votre talent. Donc faites bien ces deux exercices-là, parce qu'ils sont tellement, tellement puissants, que ça peut, ça va vraiment changer vos perceptions, et à voir les choses, et vous autoriser à voir encore plus grand. Et voici pour cette vidéo, si ça vous a plu, pensez à mettre un like, qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi les vidéos, à partager, et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, bien pensez à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe où vous verrez le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible. Et enfin, vous pouvez regarder dans les commentaires aussi, il y a d'autres cadeaux, notamment il y a aussi ce livre que vous pouvez acquérir, qui est l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagnés, on a eu trois médaillés olympiques. Donc allez-y, faites-le parce que cette méthode fonctionne. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !